Et bonjour à tous, c'est Denis pour une nouvelle vidéo unboxing, donc du fauteuil gaming Alex noir et rouge de chez idmarket.com. Donc le prix 92 € avec les frais de port, donc on va voir ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Allez, c'est parti, on déballe. Donc là, c'est les bras. Bon. Déjà, il y a un nœud, on se demande pourquoi. Pas de scotch. En plus, voilà, comme je vous dis, c'est tout mouillé dedans. Hein. Je narre parce que j'ai oublié d'allumer le micro. Donc, on va regarder la qualité. Bon, les plastiques, apparemment, ça a l'air d'être solide. Voilà. Montre, hein. Voilà, il se plie bien, pas de souci avec le premier bras. On va inspecter le deuxième. Ok, il se déplie aussi bien. Voilà, même qualité, même plastique apparemment. Voilà, ça force un peu, c'est normal, hein, c'est neuf. Bon, vous voyez, hein, c'est assez rigide quand même. Bon, par contre, voilà quoi. La finition, laisse tomber quoi. C'est tout plein de plis. Ça n'a pas été tendu. Bon, c'est du polyuréthane. Hein, c'est pas du simili-cuir ni du cuir. Hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Voilà, c'est marqué sur la notice. Donc, on va sortir l'assise de siège. Voilà. Alors, ce que je reproche aussi, c'est que dans le colis, il n'y a pas de protection sur les côtés, il n'y a pas de polystyrène, et voilà, c'est encore mouillé, vous voyez. Donc heureusement que c'est protégé avec du plastique, parce que je sais pas où ça a été entreposé. Hein. Donc je disais, ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas assez de renfort sur les côtés, quoi, du polystyrène, du journal, ou je sais pas quoi. Donc là, vous avez la notice, donc de montage, hein, c'est une notice, hein. Je vais vous la montrer quand même. Voilà. Plus une petite photo de ce que ça donne monté. Donc on va regarder la qualité. Ici, il n'y a pas de problème sur l'assise. Donc vous voyez, hein, je suis un peu sceptique sur la qualité, quoi. Franchement, il y a mieux. Et regardez les coutures, elles sont pas épaisses. Hein. Les fils, à mon avis, un an assis au milieu, ça craque des deux côtés. Hein. Vous voyez? C'est vraiment du fil fin. Donc, bon, après, on sait ce qu'on a pour le prix. Hein. Bon, par contre, regardez, c'est toujours pareil, c'est pas tendu, quoi. Voilà, la finition bâclée. Voilà. Vous voyez? Bon, allez, on va mettre ça de côté. On va regarder le reste. On va enlever le carton. Donc là, on a le mécanisme. Donc il a l'air d'être quali hein, quand même là-dessus. Rien à dire. Il fait son poids. Voilà. Donc avec les manettes hein, pour lever, descendre, ajuster le dossier. Enfin voilà. On va poser ça là. Donc après, on a le support de siège où se fixent les roulettes. Alors regardez le plastique, on dirait qu'il a passé 6 mois au soleil, quoi. Il est tout blanc. Il est blanchi, on sait même pas pourquoi. Voilà. Bon, ben, je serai obligé de passer du rénov plastique. Bon, on va le laisser là, parce qu'on va monter après. On va commencer par ça. Alors, ça, c'est la barre de fixation. Voilà, pour les pieds, hein. Mais regardez ça, elle est tordue. Donc ça va être costaud pour monter. Donc après, nous avons la visserie. Donc on verra ça au montage. Alors après, nous allons voir ce qu'il y a d'autre. Ah, le T, donc
du dossier, voilà, hein, qui sert à fixer sur le mécanisme. Donc nous avons le coussin du repose-pied. Donc ben voilà, hein, c'est pas très quali quoi. Regardez ça. En plus, regardez la couture, le mec il s'est pris une cuite, il sortait du bistrot ou bien voilà, c'est super droit quoi. Bon. Et le dossier. Voilà, avec les coussins. Alors, on va essayer de le défaire sans abîmer. Voilà. Il y a un coussin qui s'est fait la malle. Je vais le ramasser puis vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Hein. Bon, on verra ça à la fin. C'est pour un petit aperçu pour vous. Donc vous voyez, hein, même le dossier, regardez, c'est pas tendu. Hein. Franchement, la finition est à revoir chez eux. Hein. Allez, on va passer au montage. Donc là, je vous emmène un peu avec moi. Voilà. On va ouvrir les accessoires. Voilà, le sachet d'accessoires. Allez. On va mettre ça là. Ça là. Voilà. Donc nous avons un sachet de vis avec une clé Allen qui fait en même temps cruciforme d'un côté. Les roues. Donc les roulettes et le vérin. Voilà. Donc il a l'air d'être cali aussi. Hein. Bon, on verra. Et donc les deux supports pour la barre du repose-pied. Allez, c'est parti, le montage en rapide et je vous le commente en même temps. Donc montage des roulettes. Alors je vous garantis que j'en ai un peu bavé. Elles tiennent, hein. Je peux vous dire que pour les mettre, par contre là-dessus, il n'y a rien à redire. Hein. Elles risquent pas de se barrer. Hein. Peut-être avec l'usure, je sais pas, mais en attendant, elles sont pas prêtes de se barrer. Donc, eh ben, le vérin, il se clipse, voilà, bien enfoncé. Et donc là, on va regarder le dossier. Ah, et j'ai vu encore autre chose. Regardez. Là, il est coupé. Et c'est pas en ouvrant le carton. Donc voilà. Donc je vais faire une réclamation. Hein. Regardez, hein. Il est abîmé là. Il est abîmé au-dessus. Donc quand on regarde le carton, l'état, c'est pas étonnant. Hein. Voilà. Donc avec toutes les bunes qu'il y a sur le côté, là, voilà, en examinant le carton, hein, ben on voit bien que il a bien dérouillé pendant le transport. Hein. Voilà. Donc ça va repartir après le montage, après le tuto. Hein. En plus, j'ai pas regardé en dessous, mais regardez, voilà, d'où vient le problème. Voilà, c'est ici, ça tapait là. Alors pour le montage en timelapse, donc on fixe le T. Donc faire attention aux vis, hein. Il y a des tailles différentes. Donc c'est marqué sur la notice, hein, vous inquiétez pas. Bon par contre j'ai un peu galéré avec les trous. Hein. Ils sont pas en face, hein, même en vissant pas à fond. Pour mettre les vis, vous allez voir aussi pour l'assise, ça a été un merdier pas possible. Alors j'ai vu sur les commentaires Amazon, facile à monter, bonne qualité, super produit. Et ben moi je peux vous dire que c'est pas un super produit du tout. Hein. Déjà quand on voit rien que les coutures, allez, on monte le mécanisme sur l'assise. Voilà. J'ai oublié de mettre donc ben, les supports de pied. Alors c'est là aussi pareil, les trous sont pas en face. J'ai miséré, miséré, miséré.
Donc, hop, on visse, hein, et pas à fond. Pour pouvoir mettre l'autre vis, regardez ça. Voilà, il y avait au moins un centimètre de décalage, quoi. Donc, il a fallu que je triche un peu. J'ai mis la vis de travers, quoi. Allez, on met le deuxième. Et voilà. On assemble tout, on serre tout. Et voilà. Donc, maintenant, fixation des bras. Bon, bah, ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc, il me manque des caches. Et il me manque deux vis d'arrêt pour leur pose-pied, quoi. Voilà. Donc, le mec qui a préparé le sachet de vis, lui aussi, il devait sortir du bistrot. Allez, on fixe ça. Et voilà. Bon, vous voyez, c'est pas de la quali, hein, parce que ça marque vite. Hein. Allez, on teste. Bon, bah, il a l'air de bien rouler, hein, c'est du parquet. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous voulez mon avis sur ce siège, bah, à fuir. La qualité est médiocre. Le montage, laissez tomber. Regardez, pour sortir leur pose-pied, c'est un peu la misère. Les commandes de levage du siège et du dossier sont un peu trop éloignées. Pourtant, j'ai des grands bras. Bon, bah, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier sur le produit, donc, ce fauteuil d'ID Market. Donc, n'oubliez pas un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée à l'heure où vous regardez cette vidéo. Salut les amis!